Ce jeudi 8 juin, en Roumanie pour la tournée européenne de son groupe, Johnny Depp a eu une belle surprise de ses fans, qui lui ont chanté un joyeux anniversaire en plein concert. Un moment inoubliable. Depuis quelques mois, Johnny Depp est un homme heureux. Après des semaines de procès contre son ex-femme Amber Heard, qui serait actuellement en négociation pour écrire ses mémoires pour une somme colossale, l'acteur semble plus épanoui que jamais. Récemment, il avait fait son grand retour au Festival de Cannes, pour la présentation de Jeanne du Barry, le nouveau film de Maïwenn. Acclamé par les festivaliers, Johnny Depp s'était montré très ému après avoir reçu une standing ovation de 7 minutes. Si la vie a repris son cours et les projets se multiplient pour l'acteur, si est-il loin d'être le cas pour Amber Heard, victime du jugement de l'opinion publique au point de s'exiler en Espagne pour refaire sa vie. Récemment, Johnny Depp a annoncé à ses fans une mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux, qui a compromis sa présence au festival d'été avec son groupe. Mes chers amis, je suis désolé de vous dire que je me suis fracturé la cheville, ce qui est un frein. Ça a commencé par une petite fracture quelque part entre Cannes et le Royal Albert Hall. Au lieu de s'améliorer, la situation n'a fait qu'empirer. Plusieurs professionnels de la santé m'ont fortement conseillé de cesser toute activité pour le moment et je me retrouve donc dans l'impossibilité de voyager pour le moment, avait-il écrit. Johnny Depp ému par une surprise de ses fans pour ses 60 ans ce jeudi, le chanteur était pourtant bel et bien sur scène en Roumanie avec son groupe Hollywood Vampires, devant 40 000 personnes, dans le cadre de leur tournée européenne. À minuit, l'une des membres du groupe de Johnny Depp a encouragé les fans à lui chanter joyeux anniversaire, pour ses 60 ans. Une belle surprise pour l'acteur, qui a semblé très ému par cette initiative. Waouh ! Si est-il le plus grand joyeux anniversaire que j'ai jamais entendu. Si est-il très beau. Merci, a-t-il déclaré, en posant sa main sur son cœur avant d'envoyer un baiser à la foule. Un moment touchant.